21 janvier 2022, Christine Bravo va se remarier. Christine Bravo va à nouveau passer devant l'autel. L'animatrice a en effet révélé dans Les Grosses Têtes, l'émission de radio à laquelle elle participe, qu'elle avait prévu de se marier. Fraîchement divorcée, la star du PAF a été invitée à révéler l'information par le présentateur Laurent Ruquier, qui a lancé à l'antenne, c'est peut-être le moment de l'annoncer? On a le droit de l'annoncer ou pas votre mariage? Vous vous mariez au mois de juin prochain. Je me marie avec mon marin, a-t-elle confirmé. Son marin, c'est Stéphane Blachaud, un homme qu'elle a rencontré lorsqu'elle a visité une péniche. C'est lui, en tant que directeur d'une agence immobilière spécialisée, qui l'a guidée pendant la visite. C'est pour lui que l'ancienne présentatrice de Froufrou a, à 65 ans, quitté sa vie dans le sentier pour s'installer sur la scène. La veuve de Bob Saget révèle leur dernière conversation. Alizée et sa fille Maggie ont le Covid passage par la case confinement pour Alizée. La chanteuse a révélé sur Instagram qu'elle avait contracté le Covid. Et ce n'est pas tout, sa fille Maggie, 2 ans, née de son union avec le danseur Grégoire Lyonnais, est elle aussi malade. Covid, 1 Alizée, Maggie, 0, a-t-elle posté en légende d'une photo où elle présente un autotest positif. L'année commence donc un peu en berne pour le couple, alors qu'elle s'était si bien finie, les amoureux, qui ont ouvert ensemble une école de danse en Corse, ont fêté en novembre dernier les 2 ans de la fillette, comme l'interprète de moi, Lolita l'avait partagé dans un post où on voit la famille au grand complet entourer l'enfant, avec Annelie Châtelain, la fille d'Alizée et Jérémy Châtelain.